Nous attaquons à trois principaux logiciels en post-production qui sont Final Cut, dont on peut passer d'ailleurs les certifications en troisième année en alternance toujours à l'écart. Nous avons aussi After Effects, nous avons un professeur qui nous est dédié pour justement nous apprendre toutes les techniques d'incrustation, de floutage, etc. au niveau de After Effects. Et nous avons aussi Avid, qui est le logiciel concurrent de Final Cut pour tout ce qui est montage et post-production. Le PASI, qui est le projet à caractère industriel, c'est une réalisation qu'on fait avec les autres formations BTS. C'est la deuxième fois que je tourne en fait avec mon PASI blanc. J'ai appris pas mal de choses. C'est impeccable. Il faut éclairer un fond bleu pour après faire une incrustation en post-production. C'est là qu'on voit bien les deux rapprochements quoi, entre la section image et la section montage dont je fais partie. C'est la semaine de montage, on a une semaine de préparation, de tournage, de montage, de mixage et après une autre semaine pour pouvoir faire un dossier qu'on présentera après à l'oral.